C'est l'heure de la pépite. On accueille ce matin François Delataille. Bonjour à tous. Comment ça va, François? Salut François. Très bien, et vous? Bon, on parle de quoi ce matin? Eh bien, ce matin, on va parler d'un problème que tu connais certainement très bien, Adeline. Oula, le problème d'être une mère prise pour sa fille très régulièrement. Regardez, c'était la semaine dernière c'est pas faux. Au Texas. Regardez ça, celle que vous voyez à l'écran, celle que vous allez voir à l'écran, ce n'est pas une collégienne, c'est une femme de 30 ans, elle s'appelle Casey Garcia, et elle a voulu voir combien de temps elle pourrait tenir déguisée en sa fille de 13 ans sans se faire griller à l'école. Donc regardez, elle a mis le paquet, elle s'est teint les cheveux, elle lui a piqué ce magnifique sweat capuche Spider-Man, et à votre avis, est-ce que ça a marché? Oui, non. Bah, si. Eh bien si, bien sûr, ça a sinon, même... Sinon, il ne ferait pas mieux. La chronique. Sinon, il dormir, ça serait tranquille. Non, ça a beaucoup mieux marché que prévu. Elle a réussi à assister aux 7 cours de la journée sans que personne ne remarque quoi que ce soit. Alors, c'est vrai que le masque aide beaucoup, mais regardez, même à la cantine, en train de manger sa pizza un peu fromagère, personne ne bronche, personne ne la remarque. Ce qu'elle explique, c'est qu'avec le système de jauge, en fait, les profs sont tellement concentrés sur l'écran qui leur permet de communiquer avec les élèves en distanciel qu'ils ne regardent même plus les élèves qui sont en face d'eux. Alors, elle a quand même... Même les copines ne s'en sont pas rendues compte. Je crois qu'il y avait quand même quelques complices. Bon, ouais. Quand même, à la fin, elle a fini par se faire choper. Écoutez, elle nous raconte comment ça s'est passé. La dernière prof m'a dit « Julie, est-ce que tu peux rester après la classe ?» Et je lui ai répondu « Oui, bien sûr ». Elle m'a dit « Tu n'es pas Julie ». J'ai enlevé mon masque, j'ai enlevé mes lunettes et j'ai dit « Non, je ne suis pas Julie, je suis sa mère ». Il faut renforcer la sécurité de cette école, c'est ça que j'ai voulu prouver. Belle démonstration. Bah oui, tout ça n'était pas juste fait pour flatter son ego. Elle voulait montrer que cette école était une véritable passoire et que n'importe qui pouvait s'y introduire sans être inquiété. Résultat, sa vidéo a eu tellement de succès qu'elle a eu le droit à une petite visite de la police qui l'a interpellée pour intrusion criminelle et falsification de documents. Alors ça lui coûtera peut-être cher, ça lui a déjà coûté 7 000 $ pour sortir, pour payer sa caution. Mais ça a le mérite d'être efficace puisque l'école de sa fille a annoncé immédiatement qu'elle renforçait son protocole de sécurité. Merci François.